On attendait un match référence, on attendait forcément celui-ci contre Bona, équipe du haut du tableau. Match quasi parfait, rien à dire, pris par le bon bout dès le début. Ouais, bien sûr, on a commencé face au vent comme contre Kerkiran. Et voilà, on a vraiment bien su au départ occuper le terrain, sortir notre camp, tenir le ballon quand il le fallait. Et vraiment, on a fait un match complet de bout en bout. Et c'est ce qui fait plaisir, on avait à cœur de se racheter par rapport à la semaine dernière. On est tous passés à travers et là, il y a une réaction et ça fait du bien. Alors surtout qu'il y a la victoire, il y a le bonus offensif, il y a zéro point pour Obona. Donc c'est vrai que globalement, c'est un très bel après-midi, à part peut-être la pluie et le vent. C'est les conditions du printemps. Ouais, voilà, il faut savoir jouer avec. Ce qui est, le seul truc qui est dommage, c'est que ce match référence, il arrive un peu tard. Donc voilà, maintenant, on va vraiment jouer pour se respecter, nous les joueurs, parce qu'on est passé à travers, on a perdu sa deuxième place. Maintenant, on ne va pas se le cacher, ça va être très très dur d'en finir deuxième. Mais on va se battre jusqu'au bout. Et on a vraiment à cœur de bien finir et voilà, de faire un beau match contre une belle équipe d'Abona qui mérite sa place hein, devant nous. C'est une très belle équipe. Mais voilà, cet après-midi, on a mis les bons ingrédients et on a fait ce qu'il fallait. Et le résultat est là. Donc c'est très bien et c'est bon signe. Quelle que soit la fin de la saison, ça veut dire que Bourgoin va pouvoir peut-être avoir des belles phases finales, quelle que soit finalement la compétition. Oui, c'est sûr, le président nous l'a dit. Quoi qu'il se passe, il veut qu'on finisse la saison le plus tard possible. Donc voilà, nous c'est pareil, on va essayer de faire le maximum. Voilà, on n'a pas envie de galvauder les matchs. Des matchs de fédéral une, ça compte. Donc voilà, on va les jouer, on va tous les jouer à fond. Et si on peut aller le plus loin possible, on ira. Maintenant, on ne va pas s'emballer. On a fait un bon match contre Bona, mais il ne faut pas oublier que la semaine dernière, on est passé à côté. Donc le problème, c'est qu'on est une équipe qui joue un peu en dents de scie. Donc il nous faut de la constance, mais j'espère qu'on va pouvoir s'appuyer sur ce match pour continuer sur cette fin de saison de la même manière. À commencer par le déplacement à Bédarrid, avant de finir en trombe contre Bourg-en-Bresse ici. Oui, c'est sûr que là, voilà, il y a le prochain match à Bédarrid qui sera très important, parce que ça ne sert à rien de gagner contre Bonnet le bonus. C'est pour pas derrière à Bédarrid. Donc voilà, on va essayer d'aller gagner là-bas. Après, on aura serré aussi à la maison. Et le déplacement à Nice, qui ne va pas être une chose facile. Et on espère tous, bien sûr, finir sur un match contre Bourg-en-Bresse ici, en apothéose. On sait qu'il y aura du monde. Donc, mais d'ici là, il reste des matchs. Donc voilà, on va bien préparer d'abord Bédarrid qui va être un match encore difficile. Ok, merci beaucoup. Merci.